toujours. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, comme j'ai beaucoup de messages en privé, je vais vous expliquer rapidement les secrets de femmes. Je vais essayer de ne pas faire beaucoup de snap pour ne pas vous saouler. Voilà, j'ai mis un filtre parce que j'ai une sale tête. Donc tout d'abord, je vous souhaite bien la bonne année et que tous vos voeux se réalisent pour cette année. Alors, en gros, les secrets de femmes, ça vient d'Afrique, de divers pays. Ce sont faits à base de produits naturels pour les femmes. Voilà, c'est fait pour solutionner plusieurs problèmes dans la vie de la femme et notamment dans le couple, que ce soit après un dérèglement hormonal, après un accouchement ou pour casser la routine. En gros, pour faire court, les secrets de femmes, c'est comme les aphrodisiaques des métropolitains, sauf que c'est fait avec nos produits qui sont très riches et qui viennent d'Afrique. Donc voilà, à base de miel, à base de mil, à base de plantes, c'est vraiment fait avec des produits naturels. Il n'y a vraiment aucune contre-indication pour le corps de la femme. Donc voilà, c'est vrai que j'avais disparu pendant 11 mois, mais voilà, je reviens et pour un temps, je reviens avec de bons produits. Oui, donc les secrets de femmes, c'est fait que pour les femmes mariées ou les femmes qui sont en couple depuis longtemps, qui ont des enfants, etc. Parce que je reçois plusieurs messages, soit les personnes, elles n'ont pas eu encore de relation avec leur copain, ou soit, eh bien, ça fait que, on va dire, 3-4 mois, voire quelques mois, la jeune femme, elle est avec, qu'elle est en couple. Donc voilà, c'est pas possible, hein, puisque, c'est réservé qu'aux femmes mariées qui sont en couple depuis un moment, depuis longtemps, avec des projets d'avenir. On commence avec le premier produit qui est le fruit défendu, voilà, donc faites pas attention, c'est plein de petites boules, j'ai l'habitude de mettre dans les pochettes organza, sauf que j'ai pas eu le temps de les acheter encore. Le fruit défendu, eh bien, c'est à insérer dans votre intimité une demi-heure avant le rapport, ça permet d'avoir plus de plaisir et paraît-il que ça sent un petit peu l'encens, ça sent très bon. Donc, en gros, ça procure plus de plaisir, autant pour la femme que pour l'homme et ça maintient, on va dire, la longévité du couple. L'autre produit que je vais vous montrer, c'est le mousseau d'Arabi. C'est plus pour les femmes qui n'ont jamais ressenti de plaisir ou qui sont excisées. Voilà, donc c'est ça le mousseau d'Arabi. Hein, c'est inséré pareil une demi-heure avant et c'est pour celles qui ne ressentent rien et qui font plus l'acte par devoir conjugal. C'est vrai que j'avais aussi des excitants qui étaient pour les femmes excisées. Mais voilà, ça aussi, c'est inséré et ce sera totalement différent. Celui dont je vais vous parler là maintenant, c'est le produit Habana. Donc c'est plus pour les personnes qui sont dans une situation tendue, compliquée. Donc si jamais vous traversez une crise ou c'est vraiment conflictuel, etc. Ben voilà, la tension va se baisser, ce sera beaucoup plus calme, plus de sérénité. Donc c'est celui-là, le produit Habana, et pareil, ça se met une demi-heure avant, pareil, fait avec des produits naturels. Ça permet d'apaiser les tensions, de rendre votre mari plus docile. Plus docile, vous allez retrouver l'épanouissement en fait dans votre ménage, tout simplement, ça va apaiser les tensions. Alors celui-là, ça s'appelle la glu, donc en fait là, c'est plus pour avoir un plaisir décuplé, puisque en fait, ça colle vraiment lors du moment propice en fait. Alors le produit qui suit, c'est un produit que l'on m'avait demandé depuis 4 ans lorsque j'ai commencé à vendre les secrets de femmes, et j'avoue que je n'avais pas du tout la solution, et là je l'ai enfin. Alors, je vous explique. Souvent, les personnes me disaient, ben voilà, Logan, tu vends des secrets de femmes, mais nous, comment on fait si jamais notre mari ne touche pas, ne fait rien avec nous, etc.
Et donc, c'est vrai que je n'avais pas du tout la réponse. La seule chose que je disais, mais voilà, essaye d'être entreprenante, d'aller vers lui, d'être attentionnée, mais je n'avais pas le produit type. Ah ben voilà, le produit, je l'ai enfin. Il s'appelle Tentation. Perso, c'est mon préféré parce que rien que l'odeur, je peux rester des heures et des heures à sentir l'odeur tellement elle enivre. Celui-là, ben voilà, c'est la surprise, hein. Si vous êtes intéressé, dites-moi, en MP, je vous dirai comment l'utiliser parce qu'il ne s'en sert pas. Voilà, c'est pas normal d'être marié, d'être en couple et puis ben, d'être comme des colocataires dans la même maison. L'homme est malheureux, la femme est malheureuse, ça crée des tensions. C'est celui-là, Tentation. D'ailleurs, il porte bien son nom, parce que ça ressemble à des tout petits bonbons, c'est bien rose et ça sent super bon et je vous assure que ça fait de l'effet. Ça, c'est le Patisacana. Le Patisacana, franchement, c'est un produit que je pense que tout le monde connaît, naturel, et ça s'insère pareil une demi-heure avant. Après, soyez inventive, hein. C'est à vous d'imaginer si vous voulez l'insérer avec du Vic ou avec du beurre du karité ou tout seul. Je donne des astuces, mais à vous aussi d'innover. Vous pouvez même faire le Patisacana avec du miel, même avec du lait Gloria. Il n'y a pas de souci. Voilà, faites des inventions et dites-moi en fait qu'est-ce que vous avez fait avec les secrets de femmes, et puis ça pourra donner des idées pour les autres. Prochain produit, c'est la pilule du bonheur. Ça fonctionne même pour les personnes qui allaitent, puisque dedans, c'est des produits naturels, il n'y a vraiment aucune contre-indication, et puis ça ne va pas faire gigoter votre bébé. Donc, la pilule du bonheur, c'est plus pour les personnes qui sont très timides, réservées, pas entreprenantes, qui ont du mal à faire le premier pas, voire qui ne l'ont jamais fait. Ce qui est top, c'est que ça fonctionne vraiment bien sur les femmes excisées. J'avais plein de retours par rapport à ça. Voilà, donc c'est la pilule du bonheur. Donc vous en prenez deux pendant une semaine et les effets durent une semaine. Voilà. Donc en fait, eh bien, les sensations seront décuplées, vous allez être beaucoup plus entreprenante, un peu plus fofolle. Voilà, c'est un produit que vraiment, il marche vraiment. C'est un miel à boire, pareil, pour provoquer le plaisir chez la femme. Par contre, contre-indiqué pour les diabétiques, c'est interdit. C'est un café pour hommes qui est super bien. C'est pour, en gros, les hommes qui sont comme Lucky Luke, hein, qui tirent plus vite que leur ombre, pour parler poliment. Donc voilà, pour ne pas être vulgaire, ça permet tout simplement de durer. Et puis, comme je sais qu'il y a 2-3 hommes dans mon snap qui sont susceptibles d'être intéressés, donc ça peut vous servir. J'ai des produits des États-Unis pour hommes qui sont vraiment bien. Donc voilà, venir me voir en MP. C'est vraiment bien. Le café est bien, mais les produits des États-Unis aussi. Sinon, il y a un autre colis que je suis censée récupérer chez une amie à Port-de-Bervilliers avec les anciens produits. Comme le miel Fato, le miel Fatoche Mousseau, la gomme du plaisir. Il y avait quoi d'autre? Turbo Diesel. Voilà, Turbo Diesel, aller sans retour, ton pied, mon pied. Il y a des produits aussi pour resserrer. Voilà, j'ai toutes ces choses-là. J'ai eu plusieurs messages aujourd'hui pour le miel de fertilité. Donc, en fait, c'est fait par un musulman, c'est naturel. Désolée, j'ai eu un trou. Mais voilà, c'est fait à base de graines de nigel, pollen, gelée royale, etc. J'ai eu de bons retours par la grâce de Dieu. Bien, certaines clientes, bien, sont tombées enceintes et je suis censée recevoir ces miels-là fin janvier. Aussi la fleur de Jéricho qui fait partie de la Bible, voilà, et du Coran. Et c'est pareil pour la fertilité. Voilà, fertilité, fibromes, problèmes d'utérus, même après un accouchement, ou pour provoquer aussi l'accouchement si c'est trop long. Bref, c'est naturel, c'est bien. Je pense avoir tout dit, voilà. Donc, il y a l'événement le 14 janvier dans Paris de 15h à 20h. Je vous invite à venir. Voilà, je vous mettrai le lien de l'événement avec ma page Facebook, etc., pour que vous puissiez, voilà, vous rajouter vos amis dessus. Petite précision, parce que j'ai des messages en MP, ce n'est pas du maraboutage. Moi-même, je suis chrétienne, je vais à l'église, comme vous le voyez souvent sur mon snap. Je pense que quand on veut marabouter quelqu'un, faut déjà avoir le nom de la personne. Et marabouter, c'est pour faire du mal et pas pour faire du bien, je pense. Donc voilà. Voilà, donc envoyez-moi des messages seulement si vous êtes sûr de commander, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de messages. Et moi, je ne sais pas remonter les messages, donc à force, ça s'efface et je me mélange.
Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaitent venir le 14 janvier, dites-moi, je vous envoie le lien. Et celles qui souhaitent avoir des colis, dites-moi aussi. Ah oui, le plus important, les produits, ça va de 10 à 30 euros, tout en sachant que celles qui me connaissent, j'offre toujours des secrets de femmes en cadeau. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à partager mon Snap ou mon groupe de Facebook avec les femmes que vous connaissez, qui sont peut-être dans le besoin, qu'elles rencontrent des soucis, ou peut-être qu'elles ont envie de casser la routine, ou peut-être fêter un événement avec leur mari, ou peut-être qu'elles ont un problème, elles ont besoin d'être écoutées. Et puis pour les colis, eh bien vous m'envoyez sur PayPal le montant que vous souhaitez, votre budget, et en fonction, je vous mettrai vraiment les meilleurs produits. Les colis, je ferai une fois par semaine, je pense le vendredi, parce que j'ai une première activité qui est LR et qui me demande du temps, voilà, avec mon équipe. Voilà, cette fois j'ai tout dit, donc je vous envoie tous les liens. Donc faudra bien screener et puis vous rajouter dessus. Ah, je vous parlerai des cures minceurs. Voilà, donc sinon merci de m'avoir écouté. Posez-moi des questions en privé et puis bonne soirée, bye bye.